Alors, vous avez M. Dougué, le chargé de cours de santé à l'Institut de formation et d'appui professionnel. Je suis ingénieur de santé, clinicien et chercheur. Alors, aujourd'hui, nous sommes en la salle de TP à IFAP chez nous. C'est avec le département des secrétaires médicaux. Les secrétaires médicaux de IFAP ont la charge d'assister les médecins et lors des consultations, d'aider dans la prise de constance des infirmières, mais aussi de notifier tout ce qui est archives et les dossiers des patients dans la confidentialité, comme le recommande la déontologie, le secret médical. Vous pouvez remarquer que pour cette séance particulièrement, il s'agit de voir les trois fonctions qu'a les secrétaires médicaux chez nous. La première fonction, c'est le rôle propre de la secrétaire. Vous savez bien que la secrétaire, c'est d'abord notifier tout ce qui lui est donné comme consigne, porter sur papier, saisir, archiver, recevoir les courriers arrivés, les courriers départ, et convoyer aussi les dossiers entre les institutions. Ça, c'est une première phase qui est connue de tous. La particularité chez nous à IFAP, c'est que les secrétaires médicaux ont une seconde fonction qu'on appelle ici la fonction, le rôle délégué. Dans le rôle délégué, les secrétaires médicaux vont donc assister le médecin pendant la visite médicale où ils vont lui servir les bulletins d'analyse, ils vont lui servir les ordonnanciers, ils vont donc lui servir aussi de l'alcool et notifier les rendez-vous pour les patients, le leur rappeler après. En plus de cela, pendant la consultation, la secrétaire médicale donc devra assister le médecin pour porter dans le registre de consultation tout ce qui est d'origine identitaire et d'origine motif de consultation, plus la conduite à tenir qui sera dit par le médecin. Et après la phase médicale, vient maintenant une fonction de la secrétaire que nous appelons assister au laboratoire, le laboratoire et le personnel du laboratoire. Au niveau du laboratoire, la secrétaire médicale va donc accueillir les patients et les installer pour le prélèvement, recueillir les bilans qu'ils ont apportés, notamment les selles, les urines et les crachats, et les orienter vers le professionnel de chaque paillasse pour analyse. Et donc après, ils vont s'en charger d'acheminer donc les résultats vers les infirmières. Et en dernière position, au milieu hospitalier, la secrétaire, elle est là pour faire le carrefour entre l'administration, l'équipe soignante et entre l'équipe soignante aussi et la population. Ainsi, la casquette de la secrétaire est en triple fonction et c'est notre cabinet, du moins j'allais plutôt dire notre institution de formation et d'appui professionnel qui a innové ce volet triplé là chez la secrétaire médicale. Oui, pour le cursus, vous n'êtes pas sans savoir que c'est avant tout une formation modulaire et que nous faisons. Mais dans cette formation modulaire, vous pouvez voir un profil de BTS. Parce que contrairement aux autres, nous faisons minimum 9 mois de présence de cours théoriques et de pratiques. Par exemple, actuellement, nous sommes à la 5e séance de travaux pratiques. Mais nous en avons jusqu'à une douzaine que nous allons faire au cours de cette année académique. Mais en plus de ça, nos stagiaires pourront partir pour les stages. Et sur les lieux de stage, puisqu'il s'agit des formations professionnelles, des compétences à faire valoir sur le terrain, déjà IFAP a fait la différence à partir de nos travaux pratiques. Quand nos étudiants sont sur le terrain, je vais parler des secrétaires médicaux. Alors, des fois, les gens se posent la question de savoir, parce qu'il nous revient l'opinion des clients des hôpitaux, mais est-ce des infirmières? Justement, ce ne sont pas des infirmières, mais nos secrétaires médicaux ont compétences en soins infirmiers de base où ils aident à prendre la tension, la température, le poids et ils accompagnent, ils assistent sur le plan psychosocial les patients. Ainsi, on va donc dire qu'ils ont un pied dans les soins, ils ont un pied dans l'administration et dans la notification de tout ce qui va dans leur propre. C'est ce qui fait la différence des secrétaires médicaux de IFAP comparé aux secrétaires médicaux des autres écoles de formation mondiale. Il est bien vrai que nous mettons une partie de nos étudiants à l'honneur. Et puisque nous sommes toujours sur la lignée de renforcement de capacité à l'endroit de nos étudiants. Et étant donné que nous sommes pratiquement vers la fin d'année, nous passons par ce biais pour les ramener un tout petit peu
à titre de révision, sur le plan toujours pragmatique. Et on n'ose pas qu'aujourd'hui, étant donné que nous sommes toujours dans l'optique d'une formation professionnelle de qualité, c'est dans ce sens que nous avions eu à organiser cet atelier à l'endroit des secrétaires médicales. Oui, nous mettons assez d'accent, puisque aujourd'hui, ce ne serait pas seulement que d'écrire ou bien la théorie et laisser la pratique. Sans la pratique, rien n'est fait. En tout cas, ce sont ces principes ici à IFAP que nous sommes en train de ressortir pour une formation de qualité à l'endroit de nos étudiants. Les ateliers qui sont déjà, on a eu à faire un renforcement de capacité en anglais aux assistants de direction bilingues par le biais d'une étrangère qui est arrivée des États-Unis, de Nigeria un peu. Et nous aussi, nous avions aussi le second atelier de formation est axé sur la maintenance réseau informatique, un exposé aux assistants de direction bilingue. Et toujours, nous allons toujours continuer. Et il doit rester un ou deux ateliers que nous devons encore essayer de parachever. Toujours au profit de nos étudiants. Nous voulons mettre une différence, toujours en tout cas, à IFA pour une formation de qualité. Moi, je me nomme Assongo Claire, je suis étudiante à l'IFAP. Je fais la secrétaire médicaliste. Aujourd'hui, on est en train de faire ce qu'on appelle travaux pratiques. Ça, c'est l'homme qui fait chez nous. Après les théories qu'on note dans les cahiers, on doit pouvoir prendre les matériels et travailler. C'est ça qu'on fait comme pratique. Aujourd'hui, en particulier, on a fait les fonctions, toutes les fonctions qui concernent la secrétaire médicale. C'est-à-dire le premier rôle qui est le rôle proprement diteur ou secrétaire médical et après comme délégué pour aider les médecins dans leurs tâches. Si à IFAP, on apprécie beaucoup parce que dans la formation, non seulement on note comme les théories des étudiants, mais on assiste aussi aux travaux pratiques. Nous voulons dire vraiment un remerciement à notre DG pour l'effort qu'il fait à chaque fois qu'il nous accompagne. Genre, nous les secrétaires prendre les tensions et les températures avec les patients et autres sans pouvoir être sur le territoire, mais on le fait en même temps dans la formation. Je dis à tous les jeunes qui sont vraiment intéressés par notre métier, je veux dire secrétariat médical, devient bon. Ici à IFA, en tout cas, on est tout joyeux pour le travail que le DG nous fournit, tout ce qu'on veut faire. Il y a la formation des qualités. Vous-même, vous pouvez le constater. Il y a tout. Si vous voulez, vous pouvez venir. Que on a amené ici à l'IAP, ministre de l'IFAP, ministre secrétaire médical, ma gloire.
Antena Elé. Bagasukulbo, en fait, centre de formation IFAP. Son nom, je suis Bagasukulbo, la secrétaire médicale, c'est-à-dire Baba Zone, Proctanare, Proctadaio. Son nom, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Vous avez le médecin à ma personne et vous avez l'assistante médicale, secrétaire médicale. Alors, elle est foncièrement secrétaire, mais pourquoi elle est dans le bureau de consultation avec le médecin? C'est ici, dans son premier rôle, que nous allons appeler ici le premier rôle du rôle délégué du moins. C'est le rôle délégué qui consiste à rester près du médecin, à l'aider dans cette tâche, et la tâche première du médecin, c'est d'offrir les consultations médicales. Quand je serai en train d'interroger, elle m'aidera à noter donc les plaintes du malade, le nom, le prénom du malade, le sexe du malade, le jour de consultation, l'heure de consultation, les bilans demandés. Elle me fournira donc les bulletins d'analyse. Nous allons donc faire l'ordonnance et puis elle sera chargée de mettre le cachet sur l'ordonnance et de le donner au patient ou à son accompagnant. Donc, nous allons poursuivre. Et Madame Kato Lovet. Bonne arrivée. Comment vous allez? Ça va? Ok. Alors, pourquoi vous êtes venu chez nous à l'hôpital ce jour? Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît. Ça fait trois semaines que vous ne sentez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous avez concrètement? Madame Lovette, vous avez quel âge? 21 ans. D'accord. Aujourd'hui le 30. Donc vous avez les maux de tête, c'est ça? C'est fallu. Au fur et à mesure que je prends les plaintes du malade, le malade va me parler dans un jargon qu'on va appeler ici du commun des mortels. Mais moi, je vais parler dans un jargon qu'on va appeler ici terminologie médicale.
et ma secrétaire qui m'assiste va notifier en fonction de la terminologie médicale qui est une matière fondamentale chez les secrétaires médicaux. Alors, elle a des mots de texte et moi je vais parler à voix basse, je dirai céphalée. Quand je dis céphalée, mon assistante va notifier la voix céphalée. Vous avez aussi quoi s'il vous plaît? J'avais la nausée, donc je mets la bas nausée. Est-ce que vous avez vomi? Vous avez vomi trois fois. Aujourd'hui, vous avez vomi combien de fois? Une seule fois. Vomissement, en parenthèse. Hein? Vomissement, en parenthèse. Hein? Vous mettez le nombre de fois que l'intéressé a vomi au jour en question. C'est ça que la secrétaire va noter dans notre registre de consultation que voici. Au même moment, moi et le médecin, je suis à la même table et la patiente est là et nous continuons la consultation. En dehors de ça, vous n'avez pas senti les douleurs de ventre ou bien abdominal? Vous avez eu mal à quel niveau précisément? Au niveau du flanc, du côté gauche, douleur à la fosse iliaque gauche. On abrège comme ça, douleur, fosse iliaque. FIG, douleur FIG, douleur FIG. Après, FIG. En dehors de ça, est-ce que vous avez l'appétit? Vous mangez bien? Un peu, donc, anorexie, anorexie. Et ça a commencé depuis combien de jours? 3 semaines, vous avez dit. Depuis 3 semaines. Vous avez pris quel médicament, madame? Elle n'a pas pris de médicaments, donc un traitement antigène. Vous avez une maladie de naissance? Vous avez une maladie de naissance? Quelle maladie? Ah, elle est asthmatique. Ok, ADCD. Vous prenez quel médicament pour l'asthme? Aucun médicament. C'est Ventoline. Ventoline. Le spray, c'est ça? D'accord. Ok, maintenant, je vais examiner notre patiente. Il y a deux manières d'examiner. Il a été instruit médicalement que l'examen se fait sur une table d'examen médical. Et ici, concrètement, nous ne sommes pas dans un confort où nous avons la table. On appelle ça consultation foraine. Nous sommes dans une consultation foraine. Donc l'assistante prendra soin de noter ce qu'il faudra noter. Le médecin prendra soin d'aller à l'essentiel sur le patient. Et je vais donc à l'essentiel sur le patient. Je passe le gel hydroalcoolique pour faire ce qu'on appelle la fixation des germes à ma main pour ne pas souiller le malade et pour ne pas me souiller parce que je pourrais aussi prendre des germes. Alors, vous allez essayer de vous en doucher. Voilà. Je vais regarder vos conjonctives, vos la langue, vous palpez le ventre. Ça va bien se passer, rassurez-vous. Je vais enlever le ventre. Je peux voir sur la langue. La langue, la langue, la langue. La langue. La langue. Vous n'avez pas de plaie dans la bouche. Quand vous avalez, ça ne vous fait pas mal à la gorge. Non. Okay. Je vais essayer de vous palper le ventre légèrement. Et si vous avez mal à quelque part, vous avez dit tout à l'heure que vous avez mal au flanc gauche. Mais je vais commencer par examiner la partie centrale. Et après, je vous donne. D'accord? Et comme vous savez, il y a essentiellement 6 zones, d'autres disent 7 zones, d'accord? Sur l'abdomen de l'homme en général. Donc, il y a la zone ombilicale qui tourne autour de l'ombilic, d'accord? Que je vais palper. Si ça fait mal, dites-moi, d'accord? Il y a le rétrosternal au-dessus, ici. D'accord. Et j'ai l'hypochondre gauche au niveau de en bas du cœur. L'hypochondre droit, c'est là-bas qu'il y a le poids. J'ai la fosse iliaque gauche et la fosse iliaque
boire. Est-ce que ça vous fait mal? Ah, ok, d'accord. Elle a réagi, vous avez pu voir qu'elle a réagi au niveau de la fosse iliaque gauche. Bon, je vais maintenant voir, est-ce qu'au niveau de son poumon et au niveau de son cœur, ça fonctionne très bien. Alors, je vais commencer par l'examen de son cœur. Je vais juste écouter le battement cardiaque pour pouvoir évaluer si le cœur fonctionne bien, d'accord? Je me sers du stéthoscope. Mon assistante est toujours là. Elle entend avec moi. Elle voit le patient. Et si le patient perd le contrôle, elle va m'aider à soutenir le patient ou à mettre le patient en position couchée, ce qu'on appelle position de l'exercice dorsal. Alors, je vais examiner le cœur. Il y a deux méthodes. Lorsque j'examine le patient, je peux laisser à ma secrétaire assistante médicale de noter ce que je constate en même temps. Elle note ça. En ce moment, cette secrétaire a avancé dans la fonction des dents du médecin. Parce qu'il sait déjà comment on notifie ça. Mais quand la secrétaire n'est pas encore moulée à cette fonction, j'examine et à la fin, je note et puis elle suit. Parce qu'avec le temps, quand elle sera titulaire maintenant, secrétaire médicale titulaire, c'est quand je vais examiner, elle va notifier en même temps et on passe à un autre patient. D'accord? Donc pour l'instant, c'est une secrétaire en position de stage. Elle n'est pas encore titularisée. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle est en formation. Elle a fini, mais nous l'avons, elle est recrutée dans notre clinique il n'y a pas 6 mois. Donc elle est en stage de pré-embauche. Elle n'a pas la responsabilité. Donc, toute responsabilité incombe au médecin quand il s'agit d'assister le médecin, incombe à l'infirmière quand il s'agit d'assister l'infirmière ou alors à d'autres fonctions qu'on a encore dedans. Je vais examiner les poumons. Et vous n'êtes pas sans savoir que les poumons sont derrière. Je vais lui ouvrir les fermetures sans l'ouvrir les fermetures et je vais écouter. Vous allez respirer par la bouche, s'il vous plaît. Respirez par la bouche. Ok, vous pouvez tousser une fois. Encore. Ok. Donc, nous venons de finir une consultation physique, les examens physiques, et que nous allons notifier. Quand je vais notifier, je donnerai les consignes à la secrétaire, elle va noter. Alors, nous avons vu chez Madame Lovette. Vous êtes moyennement coloré. La langue est propre. L'abdomen sensible à la fosse iliaque gauche. Le cœur et les poumons sont sans particularité. Ailleurs, c'est quand vous avez vu les règles pour la dernière fois. Le 16 de quel mois? 16 mai. Le 16, 5. 2024. Ok, au vu de tout ce que vous nous avez dit et ce que nous avons constaté, nous pouvons dire que nous pensons que certainement vous souffriez d'un syndrome infectieux qu'il faudra explorer. Il se peut que, à partir de la date du 16, que vous soyez en phase pré-ovulatoire. Et la phase pré-ovulatoire, il est possible que ce soit l'ovaire gauche qui va donc donner l'ovocyte pour ce mois. C'est peut-être pourquoi vous avez mal à la fosse iliaque gauche. Toutefois, ce ne serait pas exhaustif quand vous êtes une grande fille et presque une femme. On va néanmoins vous demander aussi des bilans d'extension, notamment l'échographie pelvienne, pour mieux voir ce dont il y a les questions.
Donc, pour l'instant, on va penser à un syndrome infectieux à explorer. Donc, quand j'ai dit on pense à un syndrome infectieux à explorer, mon assistante qui est ma secrétaire va mettre là où on a mis hypothèse diagnostique parce que j'écris elle voit HD, HD. Donc, elle met là-bas syndrome infectieux. J'ai mis epsilon plus. Voilà. Où tu écris syndrome infectieux complètement. D'accord? Parce qu'il y a les formes abrégées, donc des expressions médicaux. Et maintenant? Maintenant, je continue, je mets 4. 4, quand le médecin met 4, ça veut dire qu'on lui doit tenir. Mon assistante attend. Qu'est-ce que je vais mettre? Je mets là-bas bilan. Et elle voit dans le registre, il y a quelque part, on a écrit bilan. Je demande la goutte épaisse. J'ai mis GE. Elle met GE. J'ai mis NFS. Elle met NFS. J'ai mis VS. Elle met VS. J'ai mis CRP. Elle a mis CRP. J'ai mis purée, glycémie, PA. D'accord? Et j'ai mis écho pelvienne. Et j'ai mis PV, prélèvement vaginal, plus ATB, antibiogramme. Elle va mettre tout ce que j'ai mis là-bas comme bilan. Ok. Donc, est-ce que la température est bonne? C'est 36. Est-ce que la tension est bonne? C'est 11,6. C'est bon chez une femme. Ok, la température est bonne. Mais comme elle est sensible, on va lui faire néanmoins un soin parce qu'elle est venue à l'hôpital et elle ne peut pas repartir comme ça avec cette douleur au bas-ventre, à la fosse iliaque gauche. On va lui faire un soin injectable que les infirmières qui ont pris les constats que vous avez vu tout à l'heure vont exécuter. Alors, je prescris soin. Quand je prescris le soin, elle prend ordonnancier et elle va reporter ce que j'ai écrit. Elle me donne, je signe. Pardon, ordonnancier. Voilà. Donc, lorsque je serai en train de prescrire les soins ici, elle aussi, elle est en train de prescrire là-bas. Mais pour cette fois-ci, je vais finir de prescrire et je prends l'ordonnancier qu'elle va me servir et je vais encore me prescrire là-bas. Et elle ira mettre le tampon pour redonner au patient pour aller à la pharmacie. C'est bon? Donc, on va prescrire Spasfond, injectable, une ampoule. On met sur un 10 cc, une unité, on met gants, stérile, d'accord? Et je clôture, j'ai signé. Maintenant, elle va prendre le carnet et elle me donne l'ordonnance. L'ordonnancier, c'est lorsqu'on n'a pas encore écrit sur ça, on appelle ça ordonnancier. Le porteur de prescription s'appelle ordonnancier. Lorsque la prescription est ainsi mentionnée, on va donc dire ordonnance. Alors, je passe à l'ordonnance. Je prescris numéro 1, Spasfond, injectable, une ampoule. D'accord? Et je mets la posologie. Une ampoule en intramusculaire. Numéro 2, serein 10 cc, une unité. Numéro 3, dans stérile, une paire. Et je lui prescris un comprimé par voie orale qu'on va appeler ici quoi. Je vais lui mettre quoi? Restriva comprimé. Une boîte à raison de deux comprimés si douleur ou fièvre. Et c'est ma secrétaire qui va expliquer tout ceci au patient. Elle va prendre l'ordonnance devant moi. Elle va expliquer la même chose que je viens de dire, que j'ai notifié. Et je vais entendre s'il y a complété, je complète. Avant qu'elle me dise au patient, on va maintenant dans la salle de soins ou bien on va à la pharmacie. D'accord? Ok, elle a déjà mis le cachet et j'ai signé, je mets la date du 30 mai 2024.
Le nom, c'est madame quoi? Atoulore. La femme de la dame, madame. Maintenant, elle a pris l'ordonnance, elle a pris le carnet. Suivez, hein. Alors que j'étais en train de faire l'ordonnance, elle a le carnet du patient. Elle va regarder dans son registre de consultation. Quelle rubrique suit? C'est diagnostic. On a l'hypothèse, on a demandé les bilans, mais on n'a pas encore réalisé les bilans. On ne peut pas retenir encore un diagnostic. Elle va sauter la case de diagnostic. Elle passe au niveau du traitement. On a déjà commencé par soigner. Alors, tout ce que j'ai prescrit ici, que j'avais déjà mis là-bas, elle ouvre le carnet. Elle exploite les prescriptions dans le carnet du patient qu'elle rapporte ici. Donc, traitement, tu mets tout ce qui est là-bas. Elle met ça. Donc, passe-fond injectable. Elle met Restriva comprimé. Voilà, elle s'arrête à ça parce que la seringue n'est pas un médicament dans le traitement. Voyez-vous, les glands ne sont pas des médicaments. Les deux médicaments qu'elle a pu trouver dans le registre, c'est Spasfon et Restriva. Et gants, seringue, coton ne sont pas dedans. Elle s'arrête à là. On a écrit ensuite issue, favorable ou défavorable. Dans les conditions normales de température et de pression, on peut se dire que pour ce qui en est des douleurs chez une femme à la phase pré-ovulatoire est tout à fait normal parce que c'est la phase folliculaire. Elle met là-bas favorable. Favorable. Observation. À revoir. À revoir. À revoir. Elle a ça veut dire rien à signaler. À revoir. Puisqu'on a demandé un bilan, elle va faire l'échographie. Elle va faire le PV. Et l'échographie. Tu vas lui dire pourquoi il faut faire le PV, tu expliques l'ordonnance. Vas-y. Merci, madame. La réponse de ce passeport. Chaque jour, vous allez prendre Restriva, deux comprimés en raison de douleur et de fièvre. D'accord. Donc, ce que tu viens d'entendre, c'est pratiquement ça. Mais en plus de ces soins qu'on va vous administrer tout à l'heure à l'infirmerie, ceux qui nous ont pris l'attention, ils vont vous le faire. Mais aussi, vous allez faire certaines analyses qui vont concerner à observer, d'accord, vos ovaires, l'utérus et les trompes, pour voir est-ce qu'il n'y a pas un souci particulier, d'accord. Et aussi, vous allez nous faire un prélèvement vaginal pour isoler les microbes et les germes. Vous avez compris? Merci pour être patient. Donc, vous la conduisez à l'infirmerie.